Donc, je ne sais pas si on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonjour, bonsoir, c'est Marie-Louise. Marie-Louise, comment vas-tu, Marie-Louise? Bien. Quel âge as-tu? 8 ans et demi. 8 ans et demi. Qu'est-ce que tu veux poser comme question? Je n'ai pas compris verset 13 jusqu'à la fin. Le verset de quel livre, de quel chapitre? Ah, de psaume. 91. Psaume 91? Oui. Tu n'as pas compris ce psaume, c'est ça? Oui, parce qu'il dit qu'il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le rassasierai de jour et je lui ferai voir ma délivrance. Normalement, c'est Dieu qui est avec nous dans la détresse. C'est pas nous qui le délivrons, Dieu. Non, effectivement, ce n'est pas à nous de délivrer Dieu. Là, dans ce passage-là, Dieu ne dit pas qu'on va le délivrer lui. Non, c'est lui qui nous délivrera. Ouais, c'est sûr. Il est en train de nous faire une belle promesse ici en disant, pardon, il m'invoquera, je l'exaucerai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Donc, Dieu glorifie aussi ses enfants dans le sens où la glorification des enfants de Dieu, ce n'est pas l'adoration qu'on doit leur vouer ou un culte qu'on doit leur vouer, mais c'est l'élévation. Dieu élève ses enfants. Voilà. Est-ce que tu peux lire pour moi, s'il te plaît, verset 8? Le verset 8 du psaume 91. Jusqu'à la fin, oui. Tu veux lire? Est-ce que tu peux m'expliquer? T'expliquer. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, Dieu promet à ses enfants qui sont persécutés par des méchants. Tu sais, Marie-Louise, il y a beaucoup de méchants aujourd'hui dans le monde et dans la chrétienté. Des méchants, des gens qui sont très jaloux des autres parce qu'ils n'ont pas reçu les dons que Dieu a donnés aux autres. Ils veulent les mêmes dons qu'ils n'arrivent pas à avoir. Ils veulent être nommés pasteurs et ils n'arrivent pas à être nommés parce qu'ils n'ont pas les fruits et ils sont en colère. Ils partent en rébellion. Ils s'excitent comme des puces. Ils vont s'associer avec d'autres faux chrétiens pour critiquer les vrais enfants de Dieu, les traitant de sorciers, de magiciens, de faux prophètes, de gourous, de tout ce que tu veux. Eh bien, Dieu dit ici que tu verras, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es persécuté, garde le calme, eh bien, tu verras la rétribution des méchants. Et parce que dans Psaume 23, Dieu dit qu'il dresse une table devant ses enfants, en face de leurs adversaires, et il va oindre d'huile leur tête, et leur coupe va déborder. Donc les méchants, ils sont toujours ensemble, ils s'associent toujours les uns les autres, et parce qu'ils ont le même but, le même projet, c'est-à-dire combattre les vrais enfants de Dieu, eh bien, Dieu dit, ils vont avoir la rétribution de leur projet, Dieu va les juger, et car tu es mon refuge, ô Yahweh, tu fais du Très-Haut ta demeure, et aucun malheur ne s'approchera de toi, aucun fléau n'approchera de ta tente. Eh bien, Dieu dit, ben, celui qui garde ses commandements, personne ne peut le détruire, personne ne peut le toucher. Voilà. Donc, même si tes amis à l'école se moquent de toi, ne t'occupe pas d'eux, prie pour eux, bénis-les, et Dieu s'occupera d'eux. Donc, les méchants, ils se mettent toujours ensemble contre les enfants de Dieu. Ça a toujours été comme ça. Hérode et Pilate, c'est dans la Bible, c'était deux hommes politiques qui s'étaient mis ensemble contre Jésus-Christ, alors qu'ils étaient ennemis, et les faux prophètes de Baal étaient plus nombreux que Élie. Ils s'associent toujours comme ça pour combattre les enfants de Dieu. C'est pour cela, dans le psaume ici, 91, il est dit dans le verset 7 que 1 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc, ils vont te balancer de flèches, ils vont t'attaquer, ils vont te critiquer, mais Dieu va les confondre comme ça a toujours été le cas. Voilà. Il y a un garçon qui m'a donné un coup de pied dans le doigt et à cause de lui j'ai eu un bandage. Mais avant que j'aille à l'hôpital, maman elle a prié pour moi et mon doigt il s'est pas cassé.
Ben voilà. Ah ben tu vois, c'est pour cela que tu as proposé ce psaume. Je comprends pourquoi j'ai été poussé à te parler des ennemis. Eh ben, tu vois, Marie-Louise, il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de méchants dans ce monde. Et Satan utilise beaucoup ses enfants à lui, pour attaquer les autres, pour attaquer les enfants de Dieu. Et maintenant, il faut prier pour ce garçon. Il ne faut pas lui en vouloir, parce qu'il est possédé comme, comme tous les méchants. Et ben, il faut prier pour lui. Et puis surtout, il ne faut pas rendre coup pour coup. Il faut prier pour lui simplement. D'accord. Voilà. C'est bien à cet âge. Merci. Bon courage, Marie-Louise. À cet âge-là, déjà, elle est persécutée. Voilà, nous sommes à la fin, mes amis. Comme vous le savez, les méchants, ils aiment bien s'associer tous, les impies. Et ils aiment ça. Voilà. Ils n'ont pas d'amour propre. Ils ne s'aiment pas. Mais ils s'associent quand même parce qu'ils ont le même but, le même projet. Ils ont la rage. Voilà.